encore mieux que du coup, mais ça va? Oui. Bon, tu vas? Et toi? Ah, rien, les amis. Je vous montre de la flotte ou quoi? La flotte, on va en avoir assez. Ah, y'en a une, y'en a une. C'est la blague, c'est là. Je crois qu'on va en avoir assez. On va prendre le loup aussi. On l'a. Ok, bon, on va essayer de descendre et couper un petit peu. Allez, on y va, on découpera plus tard. Hein. Ça sert à rien. Donne. Merci. Allez, on se casse. Ouais, il faut se casser. Allez-y, allez-y, hein, si vous êtes prêts, allez-y. Sans courir, ne courons pas avec un orage. Ne courons pas, parce que sinon il vous suit après. On va y aller. Vous descendez calmement. On est bon ? Si on fera l'aller-retour, on regardera s'il faut écoper, on fera peut-être en toute équipe, ouais. On verra. Quelqu'un pour récupérer le seau d'eau d'Angèle aussi. Vas-y, pose. Voilà. À quoi se prend ? À quoi se lâche ? Allez, on va virer la bâche après. Attends, j'en ai encore. Hein. Celle-là, on va essayer de la déplier complètement, peut-être plus bâcher avec. Tranquille, on va faire ça. Vous allez vers le logis oriental un petit peu et on va manœuvrer là. Vous manœuvrez suffisamment là cette fois ou pas? Ah ben là, je suis jusque là. Ouais, ok, donc on va tirer un peu. Allez, on est pas mal.
Tu peux poser, ouais. Je vais aller dans le trou, vous allez me passer les pierres, je vais lester. On en met, tu sais, tout le long, là. Toujours, là, alors contre la berne d'abord. Tu vois, les monnaies, ça devrait être avec le métal. Mais en fait, il y a une sous-classification qui est par fonction. Il y avait écrit métal, il y avait du métal barré. Métal barré, ouais. D'accord. Il y a une imitation. Oui, oui. Oui, donc comme quoi, de loin, ça fait métal. C'est US, hein. Toi, j'ai Donc sur l'étiquette, on va avoir donc le nom de la commune avec le département, le nom du site, le numéro d'opération qui nous a été attribué par le service national de l'archéologie. Je suis allée voir une super expo quand j'étais à Vic là, pour le diplôme de mon fils. Et ben après, non, mais tu vois, tu as les harpies, les sirènes. Super. On peut passer ici pour la tête. Oui, bah après vous pouvez passer aussi par le pierrier, c'est juste le casier. Vous enlevez la terre, vous détourez les pierres, et les pierres, on voit si elles reposent dans l'humus. Une fois que c'est détouré. Dégager la masse là quoi. Oui, après Thibaut disait qu'il fallait voir en termes de démolition ce que vous voulez garder comme pierre ou pas. Le problème c'est que moi ça bouge. Oui, ça bouge pas. Oui, d'accord. Est-ce que le problème c'est que la démolition tout va bouger. Donc dessus là c'est quoi les trois pierres là? Ouais, c'est oui. Ça prête à confusion. J'ai fait une t'as vu ça. Non mais oui, moi je retirerai ce qui est en surface, là, ce qui ne tient pas, même celle que tu as bougé là. Et je mettrai plus en évidence là, ce qu'il y a dessous, tu vois. Ouais. Hein, on gratte un peu plus. Hein. En plus, tu es vraiment sur l'humus là, donc tu peux y aller. Ouais. Okay. Ouais, c'est horrible de monter avec la brouette en fait, ça s'embourbe de haut. C'est deux sauts max quoi. Là déjà on la nettoie un peu. C'est pour ça que je pas trop la remplir quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça, oui, oui. Elle est douche. Ouais. Oh. Ouais, c'est...
un fond. Je vais juste mettre de l'eau. Le saut. Par contre, le mortier, il est pourri, hein. Il est pas si pourri que ça. Non? Non, non, je pense qu'il se tient bien. Ouais. C'est juste que là, on n'est pas dans le cœur du mur, mais... Quand on le met en évidence, il est pas mal, hein. On a vu bien pire. Allez, Zou, on plie. On va rassembler les seaux, là. On va les mettre dans les brouettes, les outils dans les brouettes aussi. Les châteaux. Bah ouais, on dit bien l'expression. Tire château. Ouais, mais ça vient d'une expression. Là. Sortez vos sacs, sortez la bouffe. Après, on rentre les affaires. Non, tu laisses ta boîte. Ah, tu te laves. Bah. J'ai un peu ça, j'ai chaud. Je suis jaloux, Léo. On va garder les machines à laver. Voilà, je dois aller à une pharmacie.